tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli attrape-rêve. Donc, fini les cauchemars. C'est un attrape-rêve que j'ai réalisé avec plein de reliefs, avec, vous voyez, il y a beaucoup de dimensions en fait dans le motif du napperon. Donc, j'ai réalisé cet attrape-rêve avec des couleurs qui font penser au soleil. Voilà, je me suis amusée avec les couleurs. Je vous conseille de faire la même chose. Donc, ça, c'est le projet qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser la attrape-rêve, donc il va vous falloir du coton perlé. Personnellement, j'ai utilisé trois couleurs. J'ai utilisé pour la couleur du centre la couleur 03. Ensuite, je suis partie ici sur la couleur camel 06. Et j'ai terminé par le jaune 05. La couleur jaune, c'est celle qui domine en fait la attrape-rêve. Vous pouvez très bien la remplacer par exemple un bleu ciel, un lilas, un tout blanc, enfin voilà, du noir, pourquoi pas, ça ferait absolument magnifique, même tout le napperon noir, trop joli. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, vous allez crocheter tout ça avec un crochet 2 mm. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, de quelques plumes, c'est optionnel, mais moi je trouve que ça fait vraiment très joli. De perles, donc moi dans mon cas j'en ai mis 13, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. Ce sont des perles d'environ 10 mm. Voilà, et j'avais des restes de M-corde, donc du coup j'en ai profité et j'en ai mis un petit peu. Et ensuite, pour terminer, bien évidemment, il va vous falloir le cercle en bois. Donc ce cercle-là fait 40 cm de diamètre et vous le trouvez sur notre boutique. Et ce que j'aime dans ce cercle en bois, c'est qu'il n'y a pas l'union, vous savez, quand c'est le cercle pour broder. Je préfère utiliser celui-ci tout en bois, en plus il est décoratif. Vous pouvez le pendre directement sans faire vraiment tout le tour, vous savez, pour cacher tout le contour. Voilà, c'est que mon opinion. Vous en avez également en métal sur notre boutique. À vous de voir lequel vous préférez. Une autre idée que je voulais vous donner, si vous voulez faire comme une petite composition, vous savez, dans un mur, avec plusieurs tailles d'attrape-rêve, vous pouvez toujours vous servir de cette attrape-rêve et en faire, par exemple, un qui s'arrêterait dans cette couleur-là, encore un plus petit qui s'arrêterait ici. Enfin, voilà, et vous pouvez les combiner, en faire plusieurs. À vous de voir ce que vous préférez faire. Ben écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce magnifique attrape-rêve, il est pour vous. Je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le recevoir à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée sur l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui pourra recevoir donc à la maison l'attrape-rêve. J'espère que ça lui fera vraiment plaisir et qu'elle lui trouvera une petite place dans la maison. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant ici 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On pique dans la première des 5, on ramène le fil, on fait notre maille coulée et comme ça, il s'est formé un petit anneau. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Au total, il nous en faut 21. Donc ici, au même endroit, on pique, on ramène le fil et on fait notre deuxième. On pique au même endroit, notre troisième. Et on va venir comme ça travailler dans ce petit anneau jusqu'à en avoir 21. Donc on continue. J'ai terminé ici de faire les 21. Maintenant, je unis à la première, ici, en faisant ma maille coulée. On a terminé le rang 1. Le rang numéro 2, on va toujours faire les 21 brides, mais on va les séparer d'une maille en l'air. Donc on commence en faisant 4 mailles en l'air, 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation. On va dans la maille suivante, qui est là, et on fait une bride. Une maille en l'air, on va dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Et on va travailler comme ça jusqu'à avoir les 21 séparées d'une maille en l'air. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on unit à la troisième maille en l'air parce qu'on avait fait 4 mailles en l'air. Donc, vous finissez bien par votre maille en l'air et ici, vous comptez. Vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième, vous faites votre maille coulée. Là, on a fini le rang 2. Le rang numéro 3, on va commencer en faisant un éventail. Vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, vous allez en refaire 6. Donc, au total, on en aura 7. Et 7 en comptant bien les 3 mailles en l'air. Maintenant, après les 7, vous faites 2 mailles en l'air de séparation et vous allez venir sauter 2 brides. 1, 2. Dans la suivante,
vous repartez avec un éventail de 7 brides. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation et c'est reparti. On saute 2 brides dans la suivante. Vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air de séparation et vous allez faire ceci jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé le rang, voilà ce que vous devez obtenir. On termine en faisant une demi-bride sur la troisième maille en l'air de départ. Une demi-bride. Là, on a fini complètement le rang numéro 3. Maintenant, le nouveau rang. Ici, on est tombé en plein milieu entre éventail et éventail. Là, vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va venir piquer au milieu ici. Et on va refaire la même chose, donc un groupe de 7 brides. On en a la deuxième, la troisième, on fait notre quatrième, cinquième, sixième et septième bride. Et maintenant, vous séparez avec 3 mailles en l'air. Vous allez venir dans l'éventail précédent. Vous cherchez la quatrième des brides et ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. Vous allez dans l'espace et ici, vous faites 7 brides. 1, 2 et la septième. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va au centre de l'éventail qui suit, sur la quatrième des brides. Maille serrée. 1, 2, 3. Vous allez au milieu, de nouveau 7 brides. Donc vous allez venir alterner comme ceci, jusqu'à terminer tout votre rang. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on va venir tout simplement ici. Unir après les 3 mailles en l'air à la troisième maille en l'air de départ. On pique correctement. Et on fait notre maille coulée. Maintenant, on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans la quatrième de ces 7 brides. Donc, vous allez dans la deuxième qui suit, maille coulée. Sur la troisième, maille coulée. Et sur la quatrième, maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Et après la maille serrée, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Maintenant, vous allez venir ici sur cette maille serrée là. Et vous allez faire par-dessus un point pop-corn. Donc, une bride, au même endroit une deuxième, troisième, quatrième et cinquième bride sur cette maille serrée. On enlève la boucle. On vient piquer dans la première ici de ces cinq. On récupère la boucle et on la fait glisser tout simplement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept mailles en l'air. Vous allez au milieu de l'éventail précédent, vous cherchez bien la quatrième des brides et vous faites une maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Je vais sur la maille serrée suivante et ici vous venez faire de nouveau le point pop-corn. Donc vous allez venir alterner. Il y a un coup qui a un point pop-corn et un coup qui a une maille serrée. Vous terminez tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour. Après les 7 dernières mailles en l'air, on vient unir. Ici, sur la première des mailles serrées, par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va faire un dernier rang personnellement avec cette couleur-là. Donc, je vais faire une maille en l'air. Sur la maille serrée qu'on a ici, on pique et on fait notre première maille serrée. Dans les boucles, dans tout, hein, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Sur les points pop-corn, vous écartez un petit peu, vous avez le petit trou qui apparaît. Vous piquez, maille serrée. Dans les boucles, de nouveau, 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les mailles serrées, maille serrée. Donc vous allez venir faire ça tout votre tour et on se retrouve. J'ai terminé tout mon tour. Maintenant, ici, on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je vais venir ici couper mon fil. Personnellement, je vais commencer à travailler avec la deuxième couleur. Donc ici, une maille en l'air, je tire. Vous pouvez très très bien faire tout de la même couleur. Il n'y a aucun souci vraiment. Personnellement, j'avais envie un petit peu de faire un dégradé. Voilà. Donc je vais venir prendre maintenant la couleur camel pour commencer. Donc hop. Et je vais venir faire au préalable une maille en l'air que je vais venir ajuster comme ceci.
Je m'accroche maintenant sur une des mailles serrées, donc peu importe laquelle, vous allez venir vous accrocher. Donc ici, je me suis accrochée sur celle, voyez ici, qu'il n'y a pas de point pop-corn. Je viens ici récupérer mon fil, je l'ajuste. Et ici, je vais venir faire une, deux, trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc maintenant, ici au même endroit, je fais trois brides. Une, deux et trois. Plus les trois mailles en l'air, c'est comme si j'en avais quatre. Trois mailles en l'air de séparation et au même endroit, trois brides, quatre brides, pardon. Donc une, deux, trois et la quatrième des brides. Maintenant, je fais une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles en l'air. Je viens sur le point pop-corn et je viens faire une maille serrée sur la maille serrée qu'il y a sur le point pop-corn. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Donc exactement comme ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant ici par contre, je fais ce motif là parce que je vais venir alterner tout le tour. Donc ici vous faites sur cette maille serrée là qui est sur la maille serrée précédente. Vous faites 1, 2, 3 et 4 brides. 3 mailles en l'air et au même endroit, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on continue en alternant, toujours la même chose. Je suis sur le point de terminer, donc on termine en unissant à la troisième maille en l'air de départ. Une maille coulée et c'est bon. Maintenant, après ce rang-là, on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans l'espace de l'éventail. Une fois qu'on y est, on fait une maille en l'air et ici même trois mailles serrées. Une, deux et trois. Après ces trois mailles serrées, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit mailles en l'air. Là, tout simplement, ce qu'on va venir faire ici, c'est venir une bride sans terminer, une deuxième bride sans terminer et une troisième bride sans terminer. Je viens dans l'espace suivant, ici, dans la boucle suivante et je fais la même chose. Une, deux et trois brides sans terminer et maintenant qu'on a toutes ces boucles sur le crochet, on vient les terminer ensemble. Vous voyez? Maintenant, une, deux, trois, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et je passe, ici, vous voyez, je fais la même chose, les 3 mailles serrées, sur l'éventail suivant. Donc ici au milieu, 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Je viens ici dans la première des boucles, 3 brides sans terminer, 2 et 3. Je vais sur la deuxième des boucles, je fais pareil, 1, 2, 3, et je termine tout d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Je viens ici dans le centre de l'éventail, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, c'est reparti avec vos 8 mailles en l'air et les points qu'on termine ensemble. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour, voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Maintenant, après les 8 mailles en l'air, on vient unir à la première des 3 mailles serrées qu'on a ici. Maille coulée. Maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans la boucle. Une fois qu'on est dans la boucle, on vient faire une maille en l'air et ici même 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Maintenant, ici, sur l'union de ces deux points, on vient au sommet et vous faites une maille serrée par-dessus. Dans la deuxième boucle, 10 mailles serrées. De toute façon, dans toutes les boucles, il y a 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dixième. Maintenant, quand vous êtes sur 3 mailles serrées, vous faites 3 mailles en l'air. Tout simplement.
Et vous passez à la boucle suivante où vous repartez avec vos 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Maintenant, vu qu'on est sur les deux points, on s'est consommé, on doit faire une maille serrée. Dans la boucle suivante, ici que je vous le mette à plat, vous allez comprendre que c'est toujours la même chose. Dans l'autre boucle, 10 mailles serrées, comme on a fait ici. Ensuite, comme on tombera sur les 3 mailles serrées, on fera 3 mailles en l'air par-dessus. Et on repart sur le remplissage de 10 mailles serrées ici, une maille serrée sur l'union des deux points, 10 mailles serrées dans la deuxième boucle, et ici de nouveau, 3 mailles en l'air. Donc vous faites tout le tour et on se retrouve. J'ai quasiment terminé tout le tour, voilà ce que vous devez donc obtenir. Maintenant, on termine après le remplissage de la dernière boucle en faisant une bride sur la première des mailles serrées du rang. Vous faites une bride. De cette façon, on tombe pile poil ici, dans la première des boucles ici, et on peut commencer à travailler notre éventail. On commence en levant 3 mailles en l'air. Maintenant, on va travailler en double bride. Donc ici, on a une bride. Ici, on va faire une double bride. Une deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième double bride. Maintenant, on fait une triple bride. 3 jetés. Ici, on fait une triple bride. Et on repart avec, ici, 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine avec une bride normale. Donc, je vous résume tout de suite ce qu'on vient de faire. Une bride, 5 doubles brides. Une triple bride, 5 doubles brides, une bride. Donc une fois qu'on a ce petit éventail ici de fait, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et on va venir ici tout simplement sur la maille serrée qu'on avait fait sur cette union là. Donc vous venez par dessus. Et ici vous faites un point ananas, donc une bride sans terminer, une deuxième et une troisième. Qu'on termine ensemble. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Au même endroit, la même chose. 1, 2 et 3 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. Maintenant, on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et ici, dans cette petite boucle, on va venir faire la même chose qu'on a fait là. Donc le même éventail. On le refait ensemble encore une fois. Dans cet espace-là, vous faites une bride, 5 doubles brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait une triple bride, 3 jetés, on pique, on ramène et on termine de 2 en 2. Maintenant, on repart avec 5 doubles brides. 1, 2 et 5. Et on termine l'éventail en faisant ici même, toujours au même endroit, une bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Maintenant, ici, sur la maille serrée qu'il y a sur cette union, vous piquez, donc juste là, vous voyez, elle est là. Et vous allez faire un point ananas. 3 brides sans terminer, hop, 2, 3, qu'on termine ensemble. 4 mailles en l'air de séparation et toujours au même endroit, un point ananas. 1, 2 et 3, qu'on termine ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et là, vous repartez avec l'éventail. Donc ça, vous voyez, ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé, donc après les 6 mailles en l'air, on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir faire des mailles coulées. 1, 2, jusqu'à arriver à la triple bride en fait. Donc vous continuez jusqu'à arriver à la triple bride.
comme ceci. Maintenant, une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Vous allez venir ici remplir le petit éventail de points ananas qu'on a fait. On va venir le remplir. Pour cela, on va venir faire une bride. Et on va faire 12 doubles brides. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 doubles brides. On fait une bride maintenant au même endroit. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Vous allez au milieu de l'éventail précédent, vous cherchez la triple bride et vous faites une maille serrée pour vous plaquer. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter en permanence jusqu'à terminer. J'ai terminé, maintenant on unit ici sur la première des mailles serrées et on fait notre maille coulée. Maintenant, on va commencer le nouveau rang où on fait une maille en l'air et ici même une maille serrée. On fait maintenant dans les boucles de 6 mailles en l'air, on va venir faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, on a rempli la boucle de 10 mailles serrées. On le met correctement. Vous voyez, pour que ça passe le plus joli possible en fait. Hein. Et maintenant, on atterrit sur cet éventail-là. Donc ici, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient chercher la bride du milieu. Vous faites une maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai dit bride, c'est double bride. Hein. Et maintenant, je pars dans la boucle ici de 6 mailles en l'air. Et je la remplis de nouveau avec 10 mailles serrées. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Sur la maille serrée ici qu'il y a sur l'éventail, une maille serrée. Je repars avec le remplissage de la boucle qui suit, avec les 10 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous poussez. 9 et 10. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pars au milieu de l'éventail, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de nouveau, le remplissage des deux boucles. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On remplit les deux boucles et au milieu, sur la maille serrée, vous faites une maille serrée. Donc ici, par exemple, là, vous repartez ici directement 10 mailles serrées. Une maille serrée sur la maille serrée qu'il y a là. 10 mailles serrées et ensuite les 6 mailles en l'air, la maille serrée au milieu de l'éventail. Donc vous faites ça tout le long et on se retrouve. Ce que je voulais vous expliquer également, c'est que quand je dis vous visez la moitié de l'éventail, c'est vraiment la moitié à la vue, vous voyez. Donc vous piquez à la vue et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on repart avec le remplissage. Donc vraiment à la moitié, puisque ce qu'on a ici, c'est 14 brides. On ne peut pas diviser ça en deux. Mais ce n'est pas grave, vous faites à la moitié, ça ne se voit pas du tout. Vous voyez? Donc vous continuez et on se retrouve. J'arrive à la fin. Après le dernier remplissage, vous allez venir tout simplement ici, sur la première des mailles serrées, maille coulée. Maintenant, personnellement, je vais venir ici couper le fil et passer à une autre couleur. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ici, une maille en l'air et je tire. Personnellement, je vais prendre la couleur jaune. J'ai récupéré ma couleur jaune et je viens exactement ici où je suis venue couper. Comme ça, si vous ne voulez pas couper la couleur, vous voulez faire tout pareil, n'hésitez pas à continuer directement le tutoriel. Donc ici, hop, sur la maille serrée du milieu et je ramène mon fil. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, plus une de séparation, au total on en a 5. Ça équivaut à une double bride plus une maille de séparation. Je pique au même endroit. Je refais une double bride. Une maille en l'air. Je pique au même endroit et je refais une troisième double bride.
Et en fait, on va en faire 9 au total. Donc là, on en a 3. On continue. Je fais ma quatrième, ma maille en l'air. Ma cinquième, ma maille en l'air. Ma sixième, ma maille en l'air. Ma septième, ma maille en l'air. Huitième, ma maille en l'air. Et ma neuvième. Ici. Une fois qu'on a les 9, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir travailler ici. On va faire un remplissage. De ce côté-là, on a une boucle. Et de ce côté-là, on en a une autre. Dans chacune, on va faire 8 brides. Donc ici, hop, je pique. Et je fais une bride. Une deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et huitième. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On continue avec la boucle de gauche et on la remplit également de 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et la 8e. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Comme ceci. Et maintenant, ici, au milieu, sur la maille serrée du centre, que vous avez sur l'éventail précédent, vous voyez, ici, on recommence en fait le groupe de 9 doubles brides. Donc, on va venir se placer dessus. Ici, vous cherchez bien la maille serrée du milieu. Et ici, vous faites une double bride, une maille en l'air. Une double bride, une maille en l'air. Jusqu'à en avoir 9. J'ai terminé de faire donc les 9. Maintenant, on repart avec 2 mailles en l'air et le remplissage. Donc ici, vous avez toujours 2 boucles. À droite, 8 brides. Au milieu, 5 mailles en l'air. 8 brides à gauche, 2 mailles en l'air. Et ici, le groupe de 9 doubles brides. Donc, vous continuez jusqu'à avoir terminé tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc, après les 2 mailles en l'air, vous allez venir compter depuis le début. 1, 2, 3, 4. On avait fait 5 mailles en l'air. Vous cherchez bien la quatrième et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on fait une maille coulée dans le premier espace, entre la première et la deuxième double bride. Et là, on va faire un point ananas, mais de double bride. Donc, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une double bride sans terminer. On pique au même endroit avec 2 jetés et on fait une deuxième double bride sans terminer. 2 jetés, on pique au même endroit, on en fait une troisième. Et maintenant, on termine ces 3 ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je passe dans l'espace suivant ici et j'en refais un deuxième. Donc 2 et 3 doubles brides sans terminer qu'on termine ensemble. On fait 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, on en fait un troisième. Donc 2 et 3 doubles brides sans terminer qu'on termine ensemble. 1, 2, 3. Maintenant, on va dans l'espace suivant et on en fait un quatrième. 2 et 3 qu'on termine ensemble. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Donc maintenant, on passe dans le premier espace qui suit et on refait le premier des 4 qu'on doit faire pour ananas de double bride. 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, on recommence. Un point ananas de double bride. 3 mailles en l'air. On va dans l'espace suivant, on fait notre troisième. 3 mailles en l'air. Et on fait dans l'espace suivant, donc le dernier qui doit vous rester, le quatrième point ananas. Qu'on termine ensemble. Je vous montre ici. Donc ça, c'est un petit peu levé parce que j'ai essayé déjà dans la trappe ref pour voir comme ça faisait. Ça fait juste trop joli. Donc ici, on a 4 points ananas, 5 mailles en l'air, 4 points ananas. Maintenant, ici, après ceci, vous allez venir faire 2 mailles en l'air. Et maintenant ici, dans l'espace, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Deux mailles en l'air de séparation et maintenant vous repassez à votre éventail où vous allez faire 4 points ananas, 5 mailles en l'air, 4 points ananas. Je suis sur le point de terminer, donc après les deux mailles en l'air de séparation, ici je viens sur le premier point ananas et je viens faire ici ma maille coulée. Et là, on a complètement terminé. Maintenant, on vient ici entre le premier point ananas et le deuxième. Et on fait une maille en l'air et ici même trois mailles serrées. Une, deux et trois. Sur le point ananas suivant, maille serrée. Dans l'espace, une, deux et trois mailles serrées. Maintenant, sur le point ananas, donc le troisième, maille serrée. Ici dans l'espace, trois mailles serrées. Une, 2 et 3 mailles serrées. Sur le point ananas, le quatrième, mailles serrées. Et quand on arrive au milieu, dans le grand espace, ici on va venir faire 1, 2, 3 et 9 mailles serrées. La neuvième, on pique correctement. 9 mailles serrées dans cet espace. Et maintenant on continue. Sur le point ananas, une maille serrée par-dessus. Dans l'espace, 1, 2 et 3 mailles serrées. Sur le deuxième point ananas qui suit, mailles serrées. Dans l'espace, 3 mailles serrées. Sur le point ananas, mailles serrées. Ici, dans le dernier espace, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on va passer directement ici où il y a les 7 mailles serrées et on va chercher la quatrième. Sur la quatrième, on va venir faire des triples brides, donc 3 jetés. Vous cherchez ici. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4 dans la quatrième des 7 qu'on était venu faire, vous piquez et vous faites une triple bride. Comme ceci. Maintenant de nouveau 3 jetés, au même endroit on pique, on en fait une deuxième, donc deuxième triple bride, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et on va faire notre dernière, la onzième. Que je vous montre ce que ça donne. Vous avez 11 triples brides. Et maintenant, vous repassez à l'éventail suivant, vous faites ceci. Donc, on va venir le faire ensemble. Entre le premier point ananas et le deuxième, vous piquez et vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, sur le point ananas suivant, mailles serrées. Dans l'espace, 1, 2, 3. Sur le point ananas, mailles serrées. Dans l'espace, de nouveau. 1, 2 et 3 mailles serrées. Sur le point ananas, une maille serrée. Et maintenant que vous avez rempli ici 1, 2, 3 espaces, ici vous atterrissez dans la grande boucle qu'on était venu faire. Dans cette grande boucle, vous allez faire 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Et vous repartez de l'autre côté de l'éventail en faisant la même chose. Une maille serrée sur le point ananas. Dans l'espace, 3 mailles serrées. Sur le point ananas, une maille serrée. Dans l'espace, 1, 2, 3. Sur le point ananas, maille serrée. Dans l'espace, 3 mailles serrées. C'est toujours pareil. Et sur le dernier, ici, point ananas, on ne fait rien. Tout simplement. Donc maintenant qu'on a fait ceci, vous repartez directement avec les 11 triples brides ici, dans la quatrième maille serrée. Voyez, du petit éventail ici qu'on a formé. Donc, vous faites tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Donc, à la fin, après les triples brides, on vient tout simplement ici, dans la première des mailles serrées du rang. Hop, maille coulée. Maintenant qu'on a fait ceci, on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver sur le troisième point. Ici, je vais vous montrer quand on y sera. Hop, je fais que des mailles coulées, que des mailles coulées.
Troisième point ananas en fait. Quand vous êtes par-dessus le troisième, vous voyez, 1, 2, 3, on y est par-dessus. Ici, on va venir lever 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Et ici, on va en faire 9. Donc, on a déjà la première. On continue en faisant notre deuxième. La troisième. La quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Et neuvième. Une fois qu'on a les 9, on fait une maille en l'air de séparation et on va venir travailler ici en plein milieu. En plein milieu, on avait fait 9 mailles serrées. Et bien, vous cherchez la cinquième. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, vous piquez. Donc ici, je vérifie. Oui, c'est ça. Vous piquez en plein milieu et vous faites une double bride. Maintenant, on va faire 11 triples brides. Donc là, je me suis trompée. 3 jetés, 11 triples brides. 1, 2, 3, 10 et une 11e triple bride. Et maintenant, on termine en faisant une double bride. Donc là, j'ai 13 points au total. J'ai une double bride. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triples brides et une double bride, tout simplement. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, deux jetés sur le crochet. On cherche le troisième point ananas qui est ici. Vous voyez, en partant de la fin. Ou alors, en partant d'ici, 1, 2. Et vous allez venir faire 9 doubles brides sur ce point-là. Il y a une maille serrée par-dessus, vous allez la voir, et bien par-dessus, vous allez venir faire 9 doubles brides. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Et on va venir faire un éventail. Au milieu, en fait, ici, de cet éventail-là. Donc ici, rappelez-vous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. On vient chercher le sixième. Et sur le sixième, on va venir travailler en triple bride. Donc 3 jetés sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, sur la sixième, on fait une triple bride, une maille en l'air, une deuxième, une maille en l'air, une troisième, une maille en l'air, une maille en l'air et on va faire une dixième triple bride. Une fois qu'on a les 10, on repart avec ce motif-là. Donc une maille en l'air, je vais vous montrer plutôt, ça parle plus une image que mille mots comme on dit. Ici, sur le troisième point ananas, vous comptez ici. 1, 2, 3. Ici, par-dessus, vous avez une maille serrée en plein milieu. Là, vous commencez à faire le petit éventail. Ensuite, une maille en l'air au milieu. Vous cherchez bien la maille du centre. Et là, vous faites cet éventail-là. Une maille en l'air. Vous cherchez ici le troisième point ananas. Donc, en partant de la fin. 1, 2, 3, ici. Là, vous faites le petit éventail. Et ensuite, une maille en l'air. Et vous repartez ici en plein milieu en faisant ceci. Donc là, avant de partir, on a fait la maille en l'air. À chaque fois, vous devez faire votre maille en l'air avant de commencer. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai réalisé mon dernier éventail, une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on vient piquer au départ. Et on fait notre maille coulée. Maintenant, une maille en l'air et on va venir couper. Vous tirez. Ce fil-là, vous devez bien évidemment le cacher avec votre aiguille à laine. Moi, j'ai caché déjà mes changements de couleur, etc. Je me suis avancée. Donc, je vais venir cacher ce fil-là et on se retrouve pour l'assemblage. J'ai récupéré ici mon grand cercle. Donc, le cercle, pour vous donner une idée, il mesure
40 cm de largeur et mon apron ici, donc de là à là, on va mesurer 33. On va venir maintenant accrocher le napperon à la trappe rêve. Donc comment on va faire? Tout simplement, j'ai doublé un fil que j'ai passé dans l'aiguille à laine, donc de la dernière couleur qu'on est venu travailler, et je suis venue le faire très très longtemps. Le fil est vraiment très long. Faites la même chose parce que sinon vous allez manquer de fil. Donc on va venir commencer en plaçant ici, vous allez prendre un éventail, vous en avez trois ici, et lui qui est séparé d'une maille en l'air. Donc vous allez venir dans le plus grand des trois, les deux petits on ne va jamais leur faire quoi que ce soit, vous voyez. Donc on va venir dans le plus grand et on va compter ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans la septième des mailles, ici, on va venir s'accrocher en passant par en dessous. Vous tirez votre fil. Maintenant, on passe ici à l'éventail ajouré. On vient chercher l'espace qu'il y a entre la cinquième et la sixième triple bride. On tire le fil. Maintenant, on se déplace. On vient ici, il y a les trois. Dans les deux petits, on ne fait rien. On vient dans celui-là du centre. On passe bien par en dessous à chaque fois. Et on cherche de nouveau la septième maille. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je passe mon fil. Hop, je tourne un petit peu et je viens dans celui qui est ajouré. Je viens chercher l'espace entre la cinquième et la sixième triple bride. Et je tire mon fil. Donc vous allez faire ceci. Après, on pourra ajuster le fil. Juste, voyez, vraiment en enveloppant en fait tous les éventails que je vous dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on tire. On vient dans la jouée et on fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, entre le 5e et le 6e. On passe dans le grand ici. On vient chercher la 7e des mailles. Et on tire. On vient dans la jouée. On vient chercher pareil l'espace qu'il y a entre la 5e et la 6e. On tire. On vient dans le suivant, on cherche la 7e. On vérifie toujours. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tire. Dans la jouée. Dans le suivant, dans la septième des mailles. Dans la jouée. Dans le suivant, septième des mailles. Dans la jouée. Et là, on arrive au départ. Donc déjà, avant tout, avant quoi que ce soit, vous allez venir ajuster votre attrape-rêve. Là, comme vous pouvez voir, il n'est pas assez tendu. Donc, vous allez venir tirer depuis le départ. Ça, vous le laissez en attente. Et vous ajustez toutes les ficelles. Plus, parce que là, c'était trop lâche. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, le motif s'ouvre énormément. Pour laisser passer en fait les jolis reliefs, etc. Pour que ça soit mis bien en valeur. Comme ceci. Maintenant, on arrive ici au départ. Donc ici, vous passez par en dessous et vous venez repiquer par là où vous avez commencé. Vous piquez à côté, vous ressortez à l'intérieur, vous ajustez bien. Tous les éventails que vous êtes en train de voir, on peut les ajuster par la suite. Hop, hop, et là, je tire encore un peu. Et maintenant derrière, une fois que vous avez le résultat que vous aimez, vous retournez et vous allez venir faire un nœud. Maintenant qu'on a fait le nœud, on va venir tout simplement cacher nos fils à travers l'ouvrage qu'on a crocheté. On retourne et maintenant, vous allez venir voir si ça vous convient en fait. Donc si ça vous convient, voyez, essayez de
Bien regarder les pointes ici, si elles sont bien centrées, etc. Vous le positionnez une dernière fois parfaitement. Et une fois que vous avez le résultat, on va dire parfait, ben ça sera bon. Comme ceci. Là, pour moi, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la tâche et là, bien sûr, la décoration. On a plein, donc personnellement, j'ai trois couleurs différentes de fil. Donc ce que je vais faire, c'est m'amuser avec ces trois couleurs pour lui faire des décorations. Pour faire les franges, j'ai choisi de faire que des mailles chaînettes pour cette attrape-rêve. Je trouve ça vraiment très joli. Après, je vais venir lui attacher des perles, etc. Donc, sans compter, hein, personnellement, j'ai pas compté. Je fais que des mailles chaînettes jusqu'à que quand je le plie à moitié, en l'accrochant, vous voyez, ça soit la bonne longueur. Donc là, je vois qu'il m'en manque. Je vérifie encore une fois, je plie en deux, je m'imagine une fois que je vais l'accrocher et là je vois qu'il m'en manque un tout petit peu et c'est bon. Donc maintenant je coupe, je tire mon fil et tout simplement ici, hop, je plie en deux, je viens m'accrocher juste à côté. Donc je passe comme ceci, là où vous avez envie. La boucle, vous la ressortez vers le bas, vous passez les deux mailles dedans et vous ajustez. Hop, vous ajustez bien. Vous voyez? Une fois pendu, ça ne bouge plus. Hein. Et vous avez ici la deuxième frange. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire une petite forme, vous voyez, fur et à mesure, comme ça en V, vous faites ce que vous avez envie. Par exemple, même les mailles chaînettes, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Personnellement, j'ai trouvé ça très très original, mais après, vous le faites ou vous ne le faites pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais me concentrer sur cette couleur. Je vais venir les espacer un petit peu et ensuite, je viendrai faire avec les autres couleurs de mon attrape-rêve. J'ai terminé de placer quelques mailles chaînettes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer des perles par-ci, par-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends une au hasard, une seule, hein, pas les deux en même temps. Je viens avec le crochet numéro 2 mm passer à travers ma perle, la maille chaînette. Je place la perle où j'ai envie. Je fais ici un nœud. Et la perle est complètement bloquée. Je vais venir en mettre quelques-unes par-ci, par-là pour décorer. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à avoir terminé d'en mettre un peu partout. J'ai complètement terminé de décorer, donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté ici du coton perlé, vous voyez, normal, sans faire de mailles chaînettes, ici, ici, ici et ici. Et ensuite, ben, écoutez, les perles, voilà. Donc des perles, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous pouvez en mettre plus, moins, peu importe. Maintenant, je me suis pris des plumes ici, que je vais venir accrocher par-ci, par-là. Donc, je vais venir mettre des perles de cette manière. Ici, vous avez comme un petit trombone. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez. Donc, vous allez venir mettre le crochet dans la boucle et tirer un petit peu. Une fois que ça s'est écarté, vous venez prendre, par exemple, on va mettre celle-ci. Vous enfoncez la maille chaînette là où ça s'est écarté. Donc ici, hop, bien fort. Et vous avez juste qu'à maintenir et venir resserrer. Et là, la plume est complètement, vous voyez, accrochée. Vous pouvez faire un nœud si vous voyez que ça fera plus joli. À vous de voir. Vous les bloquez comme vous avez envie, vous voyez. Et au moment de l'accrocher, ça va rester comme ça. Ça va être vraiment beau. Là, sur la table, comme tous les attrape-rêves que je fais, on ne voit pas très très bien. Ce que je vous conseille, c'est de le suspendre en fait, et là, vous accrochez vos choses. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais venir en accrocher encore quelques-unes, et puis on se retrouve. J'ai oublié de vous préciser que j'ai mis également ici de la M-corde, donc il m'en restait. J'en ai mis. Vous pouvez mettre même tout en M-corde si vous en avez encore. C'est de la ficelle spéciale macramé, donc ça fait vraiment dans le thème. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Donc pour faire la tâche, ce que je vais venir faire, c'est que je vais passer... Déjà, il vous faut exactement le plein centre. Donc vraiment le centre de notre attrape-rêve.
Donc vous regardez bien le centre, c'est par ici. Donc je passe ici mon fil, je le fais glisser. Je vais faire un nœud pour bien sécuriser la zone, ici. Tout ça, ça ne se voit pas ensuite. Hein. Maintenant ici, on va venir passer le crochet sous la boucle qu'on est venu faire, ramener le fil, et là je commence à travailler en maille chaînette. Donc hop, je me remets bien le crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant que c'est un peu haut, je peux continuer comme ça. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vérifie. Et moi, je pense que là, pour une attache sur le mur, ça suffit largement. Donc, je vais venir maintenant faire une maille coulée, toujours dans la même boucle. Je ramène mon fil, ici, avec de la patience. Je fais une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Je vais venir couper le fil. Étirez. Vous ajustez bien et vous avez ici une petite attache qui s'est formée. Donc ici, les deux fils, par sécurité que vous avez, vous refaites un nœud. Donc ici, on passe par en dessous. Et nous avons ici notre petite attache de fait. Ces deux fils ici, personnellement, je vais les couper bien proche du nœud. Vous voyez, le nœud, vous le faites glisser un petit peu vers le derrière et on voit absolument rien du tout. Donc là, on aurait la tâche de complètement fini. Moi, ce que je viens de faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire. En plus, vous pouvez ici la déplacer vraiment pour chercher le centre au moment d'accrocher la trappe-rêve. Donc voilà la tâche qui est terminée. Vous faites comme vous avez envie. Vous n'êtes même pas obligé de faire la tâche sincèrement puisque là, il y a vraiment, vous voyez, c'est quand même un peu large. Donc ça, en mettant directement sur un petit clou, c'est impeccable. Donc voilà. Ben là oui, écoutez, la trappe-rêve est maintenant terminée. Vous pouvez l'accrocher à votre mur et c'est fini les cauchemars. Donc voilà. Écoutez, gros bisous à tous. À très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous à tous.